tour. Ah oui. Attends. On commence avec les baskets. On s'entraîne tous les jours, pas de mystère, hein. De toute façon la France ça marche. Au Stade Malherbe de Caen, centre de formation, c'est 3 ans là-bas. J'ai fait un centre de formation au MIG 72, j'ai passé 5 années là-bas. Je suis allé jouer à Rouen, j'ai fait OFCR toute ma formation. J'étais formé au Stade Rennais pendant 4 ans, j'ai été prêté au Stade Brestois et en fin de compte je suis resté 3 ans. Avec la montée avec un certain Franck Ribéry la dernière année. On a un groupe de potes. C'est un groupe de potes. On se connaît tous, on a une bonne entente avec tous les joueurs. Pour rire, pour rigoler, puis en moment. On vit quand même des bons moments. Les matchs de Ligue des Champions, tout ça, on essaye de se retrouver pour regarder ça ensemble. Sans bonne entente, on n'aurait pas été loin. Je peux vous assurer qu'on ne change rien à nos habitudes, on continue à travailler comme on l'a fait jusqu'à auparavant. On a ce côté professionnel entre guillemets. Hein. Dans le volume horaire et la charge de travail hebdomadaire. Par contre, au niveau terme de récupération, installation, infrastructure, effectif, on n'est pas du tout dans un mode de fonctionnement de club professionnel. Je me fais des films dans ma tête. Hein. Faire des arrêts devant Cécignon, une frappe de Cécignon, une parade. Moi, j'ai joué contre des équipes de la campagne. Là. Franchement, le foot, ça va trop vite. On va pas jouer pour jouer quoi, on va jouer pour gagner. On est prêt. Pas de soucis.